Il est le nouveau coach du Racing Club de Lens. Will Steele, 31 ans, belgo-britannique, a joué au poste de milieu défensif en Belgique, puis a entraîné plusieurs clubs. En 2022, il parvient à la tête du Stade de Reims et permet à l'équipe de finir en mai dernier 9e de Ligue 1. À la Gaillette ce vendredi, l'homme a participé à la première séance de reprise des 100 et or. L'idée, c'est de simplement apporter mes deux frères qui m'ont suivi ici. Et de nous intégrer le plus vite et le plus rapidement possible, mais ça a déjà été fait, parce que tout le monde est ouvert, tout le monde est accueillant. On a eu une petite réunion entre nous ce matin, où on s'est présenté, on a clarifié une structure d'entraînement, et tout a été mis en place pour que la première séance se passe, comme vous l'avez vu, de façon très efficace, et c'était bien, franchement j'ai bien apprécié le truc. Nouveau venu aussi dans l'Artois, Pierre Dréaussy, originaire de Roubaix. Il est passé par Lille, Sochaux, le Paris Saint-Germain. Devenu en 2022 directeur technique du FC Metz, il a été nommé début juin directeur général du RC Lens. Le projet qu'on a présenté, effectivement, c'est de retrouver un équilibre. L'équilibre, voilà, c'est pas simplement l'austérité. C'est simplement retrouver un équilibre sportif, économique, qui est lié à une politique un petit peu différente, qui va se mettre en place dans les semaines, voire dans les mois à venir, lié au centre de formation, mais et dans le recrutement et dans les objectifs sportifs, on bien sûr qu'on est ambitieux. Une ambition qu'il faudra roder dès les rencontres amicales de l'été avec deux rendez-vous très attendus à Bollaert face à Leverkusen le samedi 3 août et face à Leicester le samedi 10 août.